De multiples applications de rencontres naissent au jour le jour, mais une seule fait la différence, Yamo Africa. Yamo Africa, votre application de rencontres 100% africaine et fiable. Sur Yamo Africa, trouvez l'amour dont vous avez tant rêvé. Michel, après, pour me passer les mains, s'il te plaît. Mais Lily, pourquoi tu ne commences pas avec la mèche devant? C'est pour éviter de fragiliser les cheveux de devant. C'est ça, c'est quand les cheveux de devant sont fragiles. Et quand on commence avec la mèche, ça se casse vite. Ça, tu vois souvent les femmes avec les... La cheveux. Oui. Donc, c'est en quelque sorte pour protéger sa devanture. D'accord. Maman, façon tu posais les questions là, tu ne veux rien laisser passer. Tu as le feu aux fesses. Lily, tu sais que mon gars m'a promis que après ma formation là, il va m'ouvrir mon propre truc. Il n'aimerait pas que je travaille pour des gens comme tu le fais là. Ouvrir comme ça, là, seulement comme ça. Eh oui, je serai à mon propre compte personnel. Merde. Dis-moi un peu. Il t'a promis, il te paye la formation et il t'ouvre le salon. Pourquoi pas? Waouh. Je suis surprise. En même temps, je commence à t'envier. Tu peux me donner le secret, s'il te plaît, parce que les gars comme ça, on en trouve plus. Dans l'idée, quand tu vois, il protège mon gars comme ça, il veut même pas qu'on prononce son nom deux fois. Tu penses que c'est pourquoi? Si tu regardes fort, même toi, même les caisses se mettent dessus. Ah, bon. Laisse tomber. Dis-moi, tu as fait combien? Hey, Lily. Faut juste savoir le bon secret. Le bon secret que tu vas me livrer. Je peux compter sur toi. Ah, Michel, parle. Toi aussi, devant la cliente. Toi aussi, Lily. Toi, tu me demandes le secret devant la cliente. Est-ce que ça se fait? Oh, hey, Michel. J'espère que ton gars ne va pas faire comme le mien. Il y a un tintin là qui m'avait promis le salon. Ma chérie, forme-toi vite. Dès que tu finis là, je vais t'ouvrir le salon. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu le salon avec mes yeux. J'ai comme l'impression que ton gars est sur lui. Ma chérie, tu n'avais pas seulement le bon secret. Copine. Mais c'est comment? Tu m'as l'air très pensée. Tu es sûre que tout va bien? Je ne sais pas pourquoi je me rends belle. Comment ça, tu ne sais pas pourquoi je te rends belle? Toutes les femmes devraient se rendre belles pour leur mari ou pour leur garçon. Tu parles de gars. Où je suis là, j'ai l'impression, je sais pas ce qui se passe dans ma vie. J'ai l'impression d'être possédée. Je me suis posé toutes les questions, mais rien. Je sais pas ce qui se passe avec moi.
posséder, tu dis. Mais là, ça devient sérieux. Hein. Les hommes, est-ce que tu te rends compte? Tu te rends compte que je passe chez un homme, je rentre, me donne 500 francs. Hein? Avec toute la beauté, je passe chez l'autre. Quand je rentre, il me met sur la moto. Il paye carrément le bien et il prend le remboursement. Ça devient sérieux là. Donc ils ne veulent même pas que tu touches leur sèvre avec ta paume de main. Je me suis déjà posé la question. Des fois je doute de moi. Je demande, est-ce que je suis pas une femme? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi les hommes me traitent ainsi? Pourquoi est-ce qu'ils me maltraitent? Je suis pas belle. Pourquoi se comporte comme ça avec moi? Des fois, je doute de moi. Non, c'est vous qui acceptez ça. Franchement. Et en plus, même, comme tu me vois là, comme je me forme là, comme ça là, mon petit ami, entre parenthèses, mon fiancé, si je peux dire ça ainsi, c'est lui qui paye ma formation. Et il compte même ouvrir ma part d'institut dès que je finis avec la formation. Eh oui. Tu es une fille chanceuse alors. De mon côté, c'est le contraire. On va m'utiliser. M'utiliser. Pourquoi on me donne 5000 francs? Tu dis bien 5000 francs. C'est que le genre d'amour que j'ai fait de la nuit. Vraiment, je ne sais pas. C'est qui m'a tourné de tous les côtés. Me balancer à gauche, à droite. Tu es avec quelqu'un aujourd'hui. Le lendemain, tu arrives chez l'autre et tu dis qu'il a déménagé. Je pars chez l'autre. J'arrive chez lui. Il me dit qu'il a pris l'avion, ça fait 2 jours. Tu te rends compte que tu sois avec un homme. Tu penses que tu es dans la relation avec lui. Tu penses que vous avez les mêmes projets. Mais après, tu te rends compte que c'est le contraire. Est-ce que tu vois ce que je vis? Tu n'es pas sûr que tu as un problème spirituel vraiment là qu'il faut aller te laver au village, copine. Me pose la question. Mais quelque part, moi je me dis que c'est vous les femmes qui acceptez les choses comme ça, franchement. Moi, Michel, je ne peux même pas accepter ça. Que non, mais tu dis comme tu dis là. C'était même pour me raconter, il me met seulement sur la moto pour me voir pas paille. Après avoir concassé mon corps, c'était même le lait pour mettre tout ça. Le lendemain, vous dites que non, tu as trop travaillé. Il n'y a pas. Non. En tout cas, c'est vous qui le savez. Il faut avoir le secret, ma copine. Les hommes là, il faut les traiter. Si tu ne traites pas un homme, tu vas lire l'heure sur le calendrier, ma copine. Il faut traiter les hommes. Moi, je ne blague pas avec les hommes. En tout cas, voilà la preuve. Il a versé combien de mille ici? Combien de centaines de mille? Tu ne ris même pas avec lui. C'est ça qui est ma vie, c'est ça que je vis tous les jours. Comme tu vois là, je vais être perdue comment? Partout où je m'assois, je réfléchis. Partout où je suis assise, je réfléchis. Je me pose des questions, je n'ai aucune réponse. Ma vie est bizarre. L'homme que tu vois là, les hommes. Je veux bien comprendre. Tu me fais attendre plus de 2 heures de temps dans un jardin public. Tu aurais dû me faire un SMS pour me dire de partir ou de me laisser pour arrêter mettre ma vie en danger. Je comprends que tu es fâchée, chérie. Je te demande de m'excuser, ok? Je veux bien te croire, mais qu'est-ce qui t'a retenu? Ne me dis pas que c'est ta mère. Tu m'as pourtant dit qu'elle devait aller à une veillée. En fait, chérie, avec quelques amis, nous avons lancé un groupe baptisé 10 000 abonnés sur TikTok en moins d'une semaine. Dans ce groupe, nous devons d'encourager les membres à participer aux séances vidéo histoire d'attirer davantage d'abonnés sur nos pages. Je peux te dire que en une semaine que le groupe a été mis sur pied, les résultats sont encourageants. Je peux te télécharger TikTok et en parler à mes copines si elles sont d'accord, je te mets dans le groupe. Vu que nous ne sommes que des femmes, qu'est-ce que tu en dis? Par rapport à quoi? Nous parlons de quoi là? Sunita, pourquoi ne trouves-tu pas quelque chose d'utile à faire avec ta vie? Et arrête de m'agacer avec des histoires qui ne t'amèneront
nulle part. En passant, tu me pousses à donner raison à ta mère. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour survivre dans la vie, chose promise, chose faite. Directement.